un électron se meut à la vitesse de 5 fois 10 exposant 7 mètres par seconde sur une trajectoire circulaire perpendiculairement à un champ magnétique homogène de 0,016 Tesla. Calcule le rayon de la trajectoire. Voici cet électron qui se meut à la vitesse V de 5 fois 10 exposant 7 mètres par seconde sur cette trajectoire circulaire. Voici le champ magnétique B qui sort de ce plan de travail et dont l'intensité est de 0,016 Tesla. Nous allons calculer le rayon grand R de cette trajectoire et nous l'exprimons en mètres. Pour cela, nous allons appliquer cette formule-là. Mais pour pouvoir appliquer la formule, il faudrait connaître la masse de l'électron ainsi que sa charge électrique. Ce sont deux valeurs bien connues. Mais si on ne s'en souvient pas, on peut demander à la calculette. Allons d'abord chercher la masse de l'électron. Pour cela, nous cliquons sur Shift pour jaune et sur le 7 pour constante. La masse d'un électron est cachée dans la catégorie 3, donc nous cliquons sur 3 et la voilà déjà, la masse de l'électron. Elle est pourvue d'un 3, donc on clique encore une fois sur 3 et maintenant sur égal. La masse de l'électron vaut à peu près 9,11 fois 10 exposant moins 31 kg. Maintenant, la charge électrique d'un électron. La charge électrique de l'électron est strictement négative, c'est moins la charge électrique élémentaire. Et cette charge électrique élémentaire est également stockée dans la calculette. Pour cela, encore une fois, Shift pour jaune, 7 pour constante. La charge élémentaire est cachée dans la catégorie 2, électromagnétisme. Donc 2, la voilà, cette charge électrique E qui est munie du 3. On clique sur 3 et sur égal. La charge électrique élémentaire E est égale à 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulomb. Donc, nous pouvons maintenant appliquer cette formule dans laquelle nous remplaçons le M par 9,11 fois 10 exposant moins 31, le V par 5 fois 10 exposant 7, la valeur absolue de Q par 1,6 fois 10 exposant moins 19 et le B par 0,016. Et c'est ainsi que nous trouvons que le rayon de cette trajectoire circulaire vaut à peu près 0,0178 mètres, c'est-à-dire 1,78 cm.